Hello, hello, c'est Casamus pour ce petit jeu technique donc sur les dribbles. On va voir comment passer le niveau légendaire, un des jeux techniques les plus difficiles à réussir. Et on va voir ensemble les techniques que je vais utiliser pour réussir à passer cela. Donc pour moi le point clé c'est ce moment là, le parcours là où on doit passer entre les plots. Alors vous pourrez remarquer que je passe très proche du premier plot. Et en fait il faut dévier sa trajectoire. Quand je pousse mon ballon en fait ma trajectoire est un petit peu déviée. Il faut vraiment tenir le joystick vers l'avant tout en courant. Et dévier vers le haut ou vers le bas, hein, en gardant toujours vers l'avant mais dévier de quelques millimètres vers le haut ou vers le bas, afin de dévier sa trajectoire de très peu pour avoir une trajectoire presque en ligne droite, afin de traverser très très rapidement. Alors la difficulté aussi c'est les flèches jaunes, donc là vous pouvez relâcher le bouton de course et rappuyer dessus directement. C'est pas ce que je fais mais bon, vous pouvez le faire, la ralentir afin d'arriver proche des tubes avec le ballon au pied et ainsi passer avec le joystick droit en poussant son ballon. Et là on va voir une méthode, alors la méthode traditionnelle hein, qu'on utilise pour passer les trois portes là. En fait c'est de passer tranquillement, hein, de passer de la première porte, d'attendre, passer la deuxième, attendre et passer la troisième. Ça nous rapporte 16 000 points alors que j'ai une méthode bien meilleure qui consiste tout simplement à ignorer les deux premières portes. Donc niveau facilité c'est quand même plus facile. Et en plus ça nous rapporte plus de points et ça nous fait perdre moins de temps. Voilà, donc là j'arrête mon ballon, je protège mon ballon, on fait 2000 points tranquillement. Là, utiliser L1, LB afin de passer doucement les quatre petites portes. Là, la même chose, j'attends en fait de voir le premier plot arriver en bas et je me dirige tranquillement hein, sans courir vers la porte qui arrive. Là, tout simplement L1, LB toujours hein, pour avoir une bonne maîtrise du ballon. Et passer la porte avant qu'elle revienne. Faut essayer de la passer très rapidement, comme ça on n'est pas embêté par le défenseur. Et on se présente vraiment face au but tout seul, après il suffit de marquer. Et c'est jackpot. Jackpot messieurs dames, et on a 78 000 points, donc tranquillement. En plus vous avez certainement remarqué que je me suis raté sur la première tentative, sur les trois portes, donc... voilà, on passe assez facilement quand même. Bon, là, juste pour le fun, je vais vous montrer une technique encore meilleure pour passer les trois portes, mais qui est relativement impossible à faire très facilement. C'est une méthode que j'ai trouvée, donc c'est de faire une passe. Il faut pas que le ballon sorte, et vous voyez que mon joueur passe la première porte, il passe la troisième porte, et ça fait 19 000 points. Alors c'est vraiment pour le fun que je vous montre ça, hein. C'est pas quelque chose que je vais vous conseiller de faire. Néanmoins, si vous cherchez à battre les records du monde, bah, vous pouvez tenter le coup. Bon, j'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai aidé à réussir ce niveau en légendaire. Et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.